Coucou mes chers passionnés, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo d'un nouveau format. Alors parce que qui parle de cuisine parle aussi de nettoyage. Donc je vous propose aujourd'hui des produits de la marque turque Bio Belinda. Alors en fait c'est des produits qui sont ultra dégraissants. Donc en fait c'est des produits qui décapent. Et puis naturellement, parce qu'en fait, on voit sur le marché des produits qui décapent, mais qui sont très, très agressifs. Donc, ceux-là, en fait, je les ai testés pour vous et je vous montre aujourd'hui comment je nettoie mon four avec ces produits. Déjà pour le mode d'emploi, quand vous regardez ici, en fait, c'est en turc. Et puis, si vous voyez ici, j'ai déplié, en fait, vous avez le mode d'emploi en français. Voilà. Donc, pour chaque produit, hein, c'est pareil. Hein. Le mode d'emploi est derrière. Et puis, aussi, c'est... Il y a une version française. Voilà. Donc, je vous montre aujourd'hui comment je décape mon four avec ces produits. Je viens de préparer de la viande que j'ai grillée. Voici l'état de mon four, hein, vous voyez. Donc, je l'ouvre. Voici, regardez à l'intérieur comment c'est. Donc, je vous montre. Là, c'est l'avant. Donc, je vais nettoyer avec un produit spécial four. Voilà, donc je vous donne les astuces, hein, moi, les bons plans pour nettoyer les taches que vous arrivez vraiment pas à nettoyer avec les produits que vous voyez sur le marché. Franchement, ça, c'est une marque qui est en pleine expansion. Je l'ai testé, donc avant de vous le proposer. Voilà, donc ce produit, donc c'est spécial pour four et pour graisse. Et pour les casseroles aussi, vous pouvez les utiliser. Et pour les poils aussi, parce que souvent les poils, on a aussi tendance à faire de la friture. Donc voilà. Bon, j'arrête de blablater. Du coup, je vous montre le produit. Voilà, hein, donc je l'ai déjà utilisé, hein, testé avant pour vous. Voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est que ici, bon, j'ai déjà préchauffé le four. À 100 degrés, donc pendant environ 5 minutes, hein, vous le préchauffez. Et ensuite, ici, ils vendent aussi ça, donc ce bocal-là, pour faire le mélange. Donc, en fait, moi, j'ai pas besoin du produit qui est super concentré. Si vous avez vraiment le four qui est crade depuis longtemps, je vous suggère de prendre le produit concentré. Sinon, moi, je vais le mélanger ici. Donc, attendez. J'ai mis cette quantité là. En plus, en fait, c'est en doseur. Voilà. Là, ici, j'ai utilisé 100 ml du produit. Ce que je fais, c'est que je vais rajouter 100 ml d'eau chaude. Donc, j'ai mis l'eau chaude là. Hop. Ici, donc, je referme bien. Bon, je mets quand même un gant. Hein. Après, c'est des produits naturels. Mais ça agit aussi, donc mettez quand même un gant par précaution. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais le pulvériser, donc à l'intérieur du four. Donc, hop. Comme ça, je vais le sortir, hein, pour avoir la main en fait, pour mieux atteindre certaines parties de mon four. Ça pulvérise bien, hein. Donc, un petit peu à mousser, comme quand vous mettez un peu de bicarbonate avec du vinaigre. Donc ça montre vraiment que le produit est naturel. Voilà, il faut laisser agir donc 5 à 10 minutes, pas plus. Regardez. Donc après, je frotte un peu ici. Ensuite, là, je frotte à l'intérieur. Vous voyez, hein, là, ça a retiré tout le gras.
Donc, ce que je fais, c'est que je vais juste retirer le produit, donc avec de l'eau claire. Comme ça. Voilà, tout propre. Et puis, en même temps, je vous montre l'avant et l'après de la plaque de cuisson donc, que j'utilise là. Regardez, je l'ai nettoyé avec les produits Bio Belinda. Regardez. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite juste à lire les notices d'utilisation. Donc, avant d'utiliser ces produits, par exemple, pour ce nettoyant four, faut pas l'utiliser sur des produits comme l'inox, l'aluminium ou le bois. Donc, prenez connaissance toujours des notices d'utilisation avant d'utiliser ces produits. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très vite pour d'autres vidéos.